c'est trop. Y'a un mec qui tire dessus, ça m'explose. Bien ça tire. Attends, non. Fusée V2, let's go! Yop les tryhards! Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Vanguard, et nous sommes aujourd'hui là pour la MP40, la deuxième, voire la meilleure arme de ce Call of Duty avec la STG44. Ces deux armes-là, très clairement, dominent le multiplayer. Il est très compliqué de jouer avec d'autres armes, et la MP40 avec la Thompson, qui est en l'occurrence la M19 quelque chose, je m'en souviens plus. Enfin bref, la STG et la MP40 sont au-dessus de tous. J'ai pu monter l'arme et j'ai pu réaliser des énormes massacres avec ma classe. Je vais vous proposer deux putes 100 kills avec des clips incroyables, des séries nucléaires mon gars. J'aurais pu taper des nukes mais tellement rapidement, moins de 2 minutes. Comme t'as pu voir à l'introduction. Et évidemment, une fusée V2 qui a été réalisée en live sur Twitch. Du coup, il faut pas que tu oublies. Faut que tu t'abonnes à la chaîne Twitch, mon pote, parce que c'est là où on réalise tous les gameplays en live, les bombes nucléaires, les plus de 100 kills. Si ce n'est toujours pas le cas, également, n'oublie pas de t'abonner sur YouTube. On est bientôt aux 200 000, en plein rush des 200 000 abonnés sur YouTube. Et évidemment, de défoncer la barre de like, parce qu'en termes de clip, tu vas être heureux. En termes de gameplay, tu vas être heureux. Et en plus, il y a une bombe nucléaire et il y a deux plus de 100 kills. Donc, monte le soutien, partage la vidéo également et martyrise la barre de like. Monte ta présence. Plus de 1000 likes en moins de 24 heures, ça me ferait extrêmement plaisir. Alors, je vous laisse avec les gameplays de ma classe, et évidemment, un peu plus tard, on parlera de la Beska setup. Ok, bah c'est reparti, hein. Oh là là, c'est le Bronx. Ah, j'ai oublié que cette... Ah ouais, mais cette map en 16v16, c'est vraiment le Bronx, attention, hein. Un bordel, mais je te dis pas. Double. Main 3. Putain, c'est un bordel là, ils viennent tous un par un. Oh putain! Oh le shoot, le shoot, le shoot! J'ai les chiens! Non! Putain, mais tu viens d'où? Oh putain, c'était chaud. Ok, j'ai le chien. Incroyable. Petite moins 3. Je
Par contre, c'est beaucoup plus intéressant en fait de jouer en 24 vs 24 ou 16 vs 16. Hein. Beaucoup plus intéressant. Oh là là, le bordel. J'étais un dommage. Ce que je suis en train de leur mettre là. S'il te plaît. Qu'est-ce que je suis en train de leur mettre là? Mais il est où? Ah. Vas-y. Ok, je mets une plaque. Qu'est-ce qui est en train de se passer là? Putain, ils sont en train de me flash à 24. J'ai plus de mun, c'est la crise. Non. Ok, hop, balance. Ouais, c'est incroyable, la MP40, vraiment, pour les long shots, tu peux tout faire. Hein. Genre, c'est n'importe quoi pour les long shots. Ouais, fous-moi la paix. Chien. Oh là 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 là. Est-ce que... Non. Non. Ok, microstation orbitale. Je les ai défoncés à la fin. Mec, j'ai tapé mon 100 kills. 101 kills. Arrête, j'ai trop le démon. A few moments later. Allez. Encore une fois, un kill. Ouais. Non, mais personne me protège. Tu sauves tout le monde, y'a personne pour me sauver.
trois fois mon tour. Ah, il est lourd, l'autre avec son fusil à pompe. Gros, c'est trop lourd. Y'a un mec qui tire dessus, ça m'explose. C'est des trucs chelous. J'ai ça, tire. Ça, 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 quel, oh, ça la moins 4. 54. Ouais. Avant dernier niveau. Je peux encore bien la prendre. Attends. Les chiens. Non, ça trop nul, moi, c'est trop nul. Ouais, c'est compliqué. Et go, go, go. On a tué trois français. Attends. J'ai réussi ça de nouveau. Oh, attends, attends, je suis en putain de série express ça. Jump shot, bro, d'où il sort? Mais il va lâcher encore un peu un spawn back, putain. Ouais. Allez, chien, on va faire un kill. Oh, je suis seul. Oh, 104 kills, mec. J'étais à 6 kills de la map. Je suis jamais mort. 104 et 26 morts, ça va, c'est correct. Vas-y, votez pour moi, allez, c'est bon, le RKD, c'est bien mieux que 62 000 6 kills. Ouais, ouais, c'est ça. 10 000 de score et 104 kills, mec. Allez! T'es vraiment un escroc du début jusqu'à la fin. Quoi. Ah de fou gros, sache le gros. Premier de la game, un escroc tapeur. A few moments later. Touché. Ça tourne, ça tourne. Ah, j'ai rebalancé la grenade. Oh là là. Ça va, ça est juste à peine spawn sur moi. Attends, j'étais en série, j'ai sorti les chiens. J'ai réussi à m'en sortir d'une manière, je te dis pas. Hein. J'ai bientôt la visate. C'est un peu what the fuck hein, les spawns. Hein. Ok, Vissat. Mais c'est encore spawn derrière, hein? Bien pouvoir un peu avancer là. Je suis en série nuque hein. J'attends. Ça dit, on fait appel à...
What the fuck, c'est quoi ces spawns? J'ai à quelques kills. On va attendre. Fusée V2, let's go! Let's go, fusée V2 les frères. Voilà, j'espère en tout cas que les gameplays vous auront plu. N'oubliez pas de lâcher le gros pouce bleu si c'est pas déjà fait et de vous abonner à la chaîne YouTube. Au niveau de la best class setup, on se retrouve d'abord pour le booster de recul qui est le plus intéressant avec le stabilisateur F8. Donc de nouveau, c'est comme tu l'entends. Au niveau du canon, je trouve qu'il n'y a que le premier qui est intéressant. C'est vrai que l'autre pourrait être assez bien, mais je trouve que le bonus, pas de bonus de dégâts de tir dans la tête, est pas très utile, c'est pas très worth. Au niveau du déflecteur, toujours le déflecteur ardoise, le viseur, c'est toujours le plus intéressant. La crosse, l'avant-dernière, qui permet d'avoir une visée accélérée et du contrôle du recul horizontal, donc plutôt assez intéressant. Au niveau de la poignée, j'ai mis la première avec la précision, stabilité de visée en marchant, ce qui est plutôt assez utile. Le chargeur, j'ai mis les 64 cartouches, vous pouvez mettre évidemment les 24, mais personnellement, j'aime bien avoir les 64, surtout sur Das House ou... Si t'as pas le temps de recharger, bah les 64 vraiment sont très utiles. Les munitions subsoniques. Au niveau de la poignée arrière, j'ai décidé donc mettre poignée arrière en tissu pour avoir une visée accélérée, une cadence de tir améliorée en sprint et récupération du recul lors du tir au jugé. Et pour terminer, indemne et chargé à bloc. Alors indemne, ça permet de tout simplement avoir un peu silence de mort pendant un petit moment. Je trouve que c'est pas super utile, mais on va dire qu'il n'y a rien d'exceptionnel également. Je pourrais éventuellement avoir celui-là. Mais bon, de nouveau, après c'est là-dessus, c'est les goûts et les couleurs. J'ai essayé avec Silence de Mort, mais ça peut être utile de temps en temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et on se retrouve très bientôt sur Twitch et sur YouTube. Ciao, ciao, vous les potes. Attends, t'es toujours pas abonné là? Bah tu t'abonnes, primo. Deuxièmement, tu lâches un like, et ensuite, tu me follows sur les différents réseaux sociaux. Hein, que ça soit Twitter, Instagram, tu fais la totale. Et t'oublies pas de checker les autres vidéos.